appelle chez Marita Foss. Je suis absente pour le moment. Veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Vous êtes chez Marita Foss. Je suis absente pour le moment. Veuillez laisser votre message, s'il vous plaît. Allô, Sérénie. Marita, tu m'entends? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, décroche, je suis morte d'inquiétude. Donne de tes nouvelles, d'accord? Salut! Marita? Mais où es-tu? Marita? 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 Hé! Ah non, c'est pas vrai. Un médecin, vite! Katrunmenweichstrasse, fosse. Tentative de suicide. Ouverture des veines. Janssen et la taupe, ordre au doc d'éliminer Janssen. Janssen. Ah, c'est toi. Non, rien. Où? J'arrive tout de suite. Où est-elle? Les visites sont interdites. Qu'en disent les médecins? Ils réservent leur diagnostic. Pour l'instant, ils refusent de se prononcer. Pourquoi a-t-elle fait ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout. Tout allait bien. Il était question la semaine prochaine que je m'installe dans son appartement. Viens, je te ramène à la maison. Je préfère rester. Comme tu veux. N'hésite pas à m'appeler. Bien sûr.
Très franchement, ce contrat, je vous avoue que je n'y croyais plus. T'exagères. Arrête de penser que la concurrence fait mieux que nous. Non, je t'en prie. Leur concept était meilleur que le nôtre. Ne fais pas de soucis. Le mieux, c'est de tout simplement laisser faire les choses. Mais c'est de quoi tu parles? Ouais. Allez, au boulot, les enfants. C'est bon, on y va. Alors, bien dormi? Thomas est arrivé? Non, je l'ai pas vu. J'ai appelé chez toi hier soir. J'étais pas à la maison. Qu'y avait-il de si important? Marita a fait une tentative de suicide dans la soirée. Non, c'est pas sérieux. Si. Elle s'est ouvert les veines. Tu sais pourquoi? Non, aucune idée. Comment va-t-elle? Elle est à l'hôpital. Son état est préoccupant. Et Thomas? Je suppose qu'il est encore chez elle. Est-ce que Tserbeau est au courant? Pas par moi. Alors dis-le lui. Il a demandé si tu étais là. Chaque chose en son temps. Oui. Et ce projet, où ça en est? J'ai bien précisé que j'en avais besoin pour demain matin. La moindre des choses aurait été de m'appeler. Non, ce n'est pas correct. Bon, alors, à demain. Je t'en prie, assieds-toi. Tu as demandé à me voir? Où étais-tu? Hier soir, je t'ai attendu un peu plus d'une heure au café. Oh, excuse-moi, j'ai eu un imprévu. Est-ce vraiment nécessaire? Oh, quand même, tu aurais pu m'appeler. Oui, j'aurais dû. Je peux savoir à quoi tu joues. Tu perds les pédales, mon vieux, il faut te calmer. Je t'en prie, arrête de faire des manières. On pourrait refaire un essai? Non, il n'en est pas question. Bon, très bien. Faudra pas te plaindre, après. Oui, oui, je sais. C'est toi le chef et celui qui n'obéit pas au doigt et à l'œil est viré. Marita a fait une tentative de suicide hier soir. Et alors? En quoi ça me concerne? Certaines personnes sont sujettes à ça. Espèce de salaud, tu me dégoûtes. Occupe-toi plutôt de tes spots télévisés, ma chère. Dans 3 jours, c'est la présentation. Allez, au boulot. Va te faire voir à pied, à cheval ou en voiture. Heure du décès, 13h48. Cause du décès, défaillance rénale et cardiaque. La police a-t-elle été informée? Oui. A-t-elle laissé une lettre d'adieu? Je ne crois pas. Le suicide reste toujours un mystère, qu'il y ait une lettre d'adieu ou non. De l'autre côté, c'est la seule solution pour décider de sa propre mort. Elle devait avoir une raison. Non, elle n'en avait aucune. C'est d'une tristesse affligeante. Ils n'ont rien pu faire. Elle avait perdu beaucoup trop de sang. Le cœur et les reins ont lâché. Et tu ne sais vraiment pas pourquoi elle a fait ça? J'ai beau me creuser la tête, je ne trouve rien. Entre nous, c'était l'entente parfaite, aussi bien sentimentalement parlant que professionnellement. Bien, il faut que j'y aille maintenant. Attends-moi. Ce n'est pas tout. Apparemment, il y a quelqu'un qui essaie de me tuer. Pardon? As-tu des soupçons?
suis devant le parking souterrain. Oui, oui, tout va très bien. À plus tard. Tice est encore dans la maison? Rennie, je veux absolument les projets sur mon bureau demain matin. Marita est morte. C'est une grosse perte. Il va falloir lui trouver une remplaçante au plus vite. Non, mais tu es malade? Tu crois que c'est vraiment le moment de penser à ça? La vie continue, c'est comme ça. Un petit moment d'affliction et la vie reprend son cours. Je trouve que ta grossièreté et ton cynisme... Je t'en prie, termine ta phrase. Sont à vomir. Je n'y peux rien, je suis comme ça. À demain. Tu as entendu, il est ignoble. Par moments, j'ai des envies de... De quoi? Non, rien. En l'entendant, j'ai l'impression qu'il l'a tué une deuxième fois. Tu t'attendais à quoi de sa part? À propos de ton histoire, tu ne veux pas aller voir la police? Je vais régler ça moi-même. Bon courage. Ouais. Il faut que j'y aille. Ne traîne pas trop longtemps. Salut. Salut. Serveur à l'appareil. Je suis bloqué dans le parking souterrain. J'ai un pneu crevé. Est-ce que tu pourrais appeler le concierge pour qu'il m'aide à changer ma roue? Oui, maintenant, bien sûr. Nous venons de trouver dans un parking souterrain un cadavre criblé de balles. On n'en sait pas plus pour le moment. Terminé. Ici Centrale, la voiture 13. Nous avons besoin de renfort. Voilà. Bonjour. Bonjour. La victime s'appelle Raymond Zerbe. La voiture est immatriculée au nom de la société Camp et Carter. D'autres papiers? C'est le collègue Hanna qui les a. Où est-il? En route. Il attend votre appel. Merci. Alors, Toubib? On meurt comment quand on change des roues? De deux balles. Une dans l'épaule et l'autre en pleine tempe. Et personne n'a rien entendu? Certainement un silencieux. Allô, Anna, Siska, où êtes-vous? Au cinquième étage, agence publicitaire Campaign Carter. Bon. Mais oui, on y est déjà. Salut. Viens. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai vu ça quelque part. Ça vous dit quelque chose? Ça doit être le badge d'une association. Bonsoir. 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 Tenez, c'est le portefeuille de la victime, Raymond Zerbe. Il était directeur ici et Madame Winkler est sans doute la dernière personne à l'avoir vu encore vivant. Qui est-ce? On a déjà éclairci le mystère, il s'agit de l'épouse de Zerbe. Que savez-vous sur elle? Sur leur union? Il n'y a pas grand-chose à dire, vous savez. Ouais. Mais encore? Ce n'est pas ce que l'on peut appeler un mariage heureux. Je vois. Allez, on embarque ça. Et comment qu'on l'embarque? Deux collègues de Madame Winkler ont quitté à peu près à la même heure que Zerbe le bureau. C'est peut-être une piste intéressante. J'ai leur nom et leurs adresses. Ingo Tice, Thomas Janssen. Occupez-vous d'eux. Vigante et moi, nous allons enquêter du côté de Madame Zerbe. Ça a l'air calme au bureau. Madame Winkler, vous faites souvent des heures supplémentaires? Oui, ça m'arrive quand nous avons des projets à rendre. Oui. Quelqu'un a fêté son anniversaire? Quel anniversaire? Celui
De la collègue qui était assise ici. Et qui est morte cet après-midi. Quoi ? Quoi ? Deux décès coup sur coup dans la même entreprise ? Que s'est-il passé ? Marita Foss. Elle s'est suicidée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Y a-t-il un rapport ? Je ne pense pas. Appelez les collègues qui enquêtent sur le suicide. Vous avez bien dit Marita Foss. Que personne n'essaye de me faire croire qu'il s'agit d'un pur hasard. Y avait-il des problèmes dans l'entreprise ? Y avait une relation entre ces deux-là ? Pas que je sache. Enfin, en ce qui concerne les problèmes, les petites frictions normales comme dans toute entreprise. Des malentendus, des avis différents, sans oublier des points de vue divergents sur les stratégies et les concepts, ce qui est courant et plutôt sain. Rien de personnel ? À ma connaissance, non. Vous n'avez pas quitté le bureau après le départ de Tserbe ? Je n'ai pas bougé d'ici, comme je viens de le dire à votre collègue. Oui, et là ? Eh bien, Tserbe m'a appelé du parking peu de temps après son départ. Il m'a dit qu'il avait un pneu crevé. Et ensuite ? Il m'a demandé d'appeler le concierge pour qu'il lui donne un coup de main, mais le concierge n'était plus là. Est-ce que vous l'avez dit à Tserbe ? Oui, j'en avais l'intention, mais je n'ai pas réussi à le joindre sur son portable. Parce qu'il était déjà mort. Oui. Voici mon collègue Figant. Bonsoir. Pouvons-nous entrer ? Mais bien sûr. Merci. Merci beaucoup. On vous a réveillé ? Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes seule ? Mon mari ne devrait pas tarder. Madame Serveur, votre mari est mort. Il a été tué dans le parking de sa société ce soir. Ah bon ? Il est mort. Vous savez, ça devait arriver un jour. Je vous en prie. Allez-y, posez-moi la question. Où étiez-vous ce soir ? À la maison. La voiture là-dehors, c'est la vôtre ? Oui. Pourquoi ? Le moteur est encore chaud. Ah bon ? C'est facile à expliquer. Je suis allée il y a une demi-heure acheter des cigarettes et une revue. Quelqu'un vous a vu ? C'est au pompiste qu'il faut poser la question. Peut-être il se souviendra de moi. Ça fait tellement peu de temps. Ah oui, je dois avoir le ticket d'essence quelque part. Sûrement dans mon portefeuille. Oui, tenez. Bien sûr, mais ça ne nous dit pas si vous êtes partie de chez vous ou de Neuperlach. Pardon ? Pourquoi Neuperlach ? C'est là où on a trouvé votre mari, dans le parking souterrain du siège de son entreprise. Bien. On n'a pas toujours le choix de l'endroit où l'on va mourir. Sa mort n'a pas l'air de beaucoup vous toucher ? Non. Qu'est-ce que vous avez voulu dire tout à l'heure, par « ça devait arriver un jour » ? Que ce n'était qu'une question de temps. Il aurait fini par se faire émasculer ou par se faire abattre. Pouvez-vous me renseigner sur votre situation financière ? J'imagine que cette maison vous appartient maintenant et que vous allez hériter la fortune de votre mari. La fortune et la maison sont à moi. Quant à l'héritage, comme tout m'appartient... Après tout, il était directeur d'une agence publicitaire et je doute qu'il travaillait pour la gloire. Vous n'allez pas me demander ce qu'il faisait de son argent. Je suppose que ça lui servait à s'habiller, pour son train de vie, pour entretenir ses nombreuses maîtresses. Que sais-je ?
Veuillez m'excuser, messieurs, de ne pas avoir de peine. Mais cet homme m'a brisé le cœur et il a eu sa punition. Pourquoi devrais-je vous jouer la comédie ? A-t-il eu des histoires dans l'entreprise ? Oui. Connaissez-vous Marita Foss et Renée Winkler ? Non. Comment voulez-vous que je me souvienne de tous ces noms ? J'aimerais que vous veniez demain au poste de police. Mais vous avez d'autres questions ? Je pense que vous ne nous avez pas tout dit. Vous pensez ? Oui. Est-ce que vous possédez un pistolet ? Non. Votre mari ? Il en avait toujours un dans sa voiture, pour autant que je me souvienne. Et il a disparu. À demain. Bonsoir. Bonjour, Jacob. Bonjour, Lorenz. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train d'interroger le porte-document de Zerba ? Oui, malheureusement, sans succès, il n'y a rien qui nous permette d'avancer d'un pas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Du thé vert, souverain contre la frustration et les contrariétés. Moi, ça me fait pas d'effet. Des millions de Chinois ne jurent que par ça. Ouais, alors fais bien attention de ne pas attraper des yeux bridés. Vous l'avez pleine de surprises et d'effets secondaires. Quoi de neuf à propos des deux collègues de Renée Winkler ? J'ai essayé de joindre Renée Winkler hier soir sans succès, mais ce cher Janssen ne devrait pas tarder à refaire surface. Il habite chez sa sœur et lui a laissé un mot par mesure de sécurité. J'ai fait un relevé d'empreintes, on ne sait jamais. Je l'ai donné au labo et j'ai appris par les journaux que Tess était entraîneur d'une équipe de foot associative de banlieue, la Bezirksliga. Est-ce que le nom de l'association commence par AC ? Non, FC. Et là, en premier, c'est bien un A. Sans blague. J'y vais. Du nouveau sur Marita Foss, par hasard ? Pas grand-chose, mais à part qu'elle se contentait de très peu. Allez-y, expliquez-moi tout, ça m'intéresse. Marita Foss a vécu aux États-Unis jusqu'en 1991. À Minneapolis, son père, Gabriel Foss, était professeur à l'université de sa ville. Et la bibliothèque de la fille est remplie d'ouvrages écrits par son père. Ouais. Pourriez-vous reconnaître cette femme ? C'est tout. Non, l'histoire n'est pas finie. À la mort de sa mère, elle est venue en Allemagne et depuis 1992, elle travaille pour le compte de la société Camp et Carter. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien du tout. J'attends juste l'atout que vous avez dans la manche et que vous allez me sortir. Oh, il y a qu'à demander. Oui. Oui, oui, merci beaucoup. Au revoir. C'était le concierge. Il a aperçu la voiture de Claudia Zerbe devant la société une demi-heure avant le crime. Elle mentait, je m'en suis aperçu tout de suite. Ah oui, et à quoi ? Je vous l'expliquerai un jour quand vous serez plus grand. Oh ! Tenez ! Qui est-ce ? Thomas Janssen. Janssen était l'amant de Marita Foss. J'en ai eu la confirmation par l'hôpital et par la sœur de Janssen en personne. Très, très intéressant. Mademoiselle Winkler s'est bien gardée de nous le dire. Avez-vous trouvé d'autres indices dans l'appartement ? Des tonnes de papiers, des classeurs, des dossiers, une pile de lettres, une importante garde-robe masculine, celle de Janssen apparemment, et les effets ont été envoyés au service anthropométrique. Pas de lettres d'adieu ? Non. Aucun mobile de suicide, pas plus que de relations privées avec Zerbe. Et Janssen, qui était censé nous aider à nous sortir de ce pétrin, n'est pas là. Il faut qu'offre Thaïs. Vous avez l'air d'oublier la femme de Tserbe. Parlez-moi un peu d'elle. C'est un suspect en puissance, c'est certain. Je l'ai convoqué, elle va pas tarder. Oh mon Dieu, alors il faut que je prépare un peu de thé vert. Et que pensez-vous de la jalousie ? Pas grand-chose. Non, mais comme mobile. Deux femmes aiment le même homme. L'une se suicide et l'autre le tue. Qui est l'assassin ? Renée Winkler, son épouse, ou une autre femme inconnue ? Non, ça m'étonnerait. Il serait peut-être temps que vous retombiez sur terre, mon cher. Je suis en retard. Vous allez revenir sur votre déposition ? Non, pourquoi ? Parce que vous ne m'avez pas dit la vérité. Réfléchissez bien, il vous reste encore une chance. Quelqu'un m'a vu ? Oui, à proximité du lieu du crime. Oui, c'est exact. J'y étais. J'étais assise dans ma voiture et j'attendais mon mari. Nous devions dîner ensemble pour faire le point sur la situation. Et vous avez attendu combien de temps ? Environ une demi-heure. Avez-vous remarqué quelque chose ? Avez-vous entendu du bruit ou quelqu'un ? Non.
C'est difficile à croire. C'est bon. Mon collègue va vous accompagner à l'étage pour enregistrer votre déposition. Bien. Allons-y. Troisième escalier à gauche. Et là... Je préfère l'escalier large. Bien. Les autres maquettes sont bonnes, pas de problème. Bonjour. 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 Je peux m'asseoir. Merci. Le travail continue comme d'habitude. Oui. Le personnel s'élève à combien ? 70 personnes réparties sur 3 étages. Qui va succéder à Monsieur Tiava ? Aucune idée. Sans doute Dice. C'est le directeur de la création et le bras droit de Tiab. Mais ce sont les actionnaires américains qui vont décider. Carter. Mais selon moi, le mieux placé dans la course, c'est Tice. Où est-il ? Pas dans la maison. Ce n'est pas suffisant pour moi. Appelez à ce numéro, vous le trouverez peut-être. Je vous en prie. Vous ne nous aviez pas dit que Marita Foss et Janssen avaient une liaison ? Pourquoi parler de liaison ? Ils formaient un couple idéal et ils allaient se marier. Bien sûr. J'aimerais bien savoir pourquoi Marita Foss s'est suicidée et si cela avait un rapport avec la mort de Tiab. Je n'en sais rien, je vous le jure. Merci. On ne sait jamais, si la mémoire vous revenait, voici ma carte. Je vous répète que je vous ai tout dit. Au revoir. Vas-y, fais la passe à Vincent. Oui. Vous aimez le football? Oui, bien sûr que j'aime le foot. J'aimerais surtout vous poser une question. Est-ce que je n'ai pas vu la voiture de Monsieur de Cerbeau devant le parking? Exact. Je ne l'ai pas vue. Alors que le concierge l'a vue, lui. Ah oui? Ouve, qu'est-ce qui te prend, t'es fou? Vous cherchez le mobile du meurtre? Exact. Peut-être que je peux vous aider. Commençons par Rémy Winkler. Cerbeau l'avait laissé tomber il y a 6 mois. Le haïssait. C'est un mobile suffisant pour vous? Je pense que oui. Vous ne connaissez pas les femmes? Parlez pour vous. Moi et les femmes? Non, parlez-moi plutôt des mobiles éventuels. Ouais. Selon moi, Cerbeau était super nul. Professionnellement et humainement parlant. Il n'avait aucune idée, aucun style. Tout bien réfléchi, c'était un boulet pour la boîte. Quand on fait de la pub, il faut commencer par faire la sienne. C'est vous qui allez reprendre la suite? C'est possible. J'imagine que vous en avez déjà tiré les conséquences. Nous n'en sommes pas encore là. Allez, un peu de nerf! Que pensez-vous de Janssen? Janssen? Oui. Non, ça peut pas être lui. C'est vrai que vous étiez ensemble toute la soirée? Comme je vous l'ai déjà dit. Oui, comme vous l'avez déjà dit, mais on voit que le hasard fait bien les choses. Quoi? Coach, vous deviez participer à l'entraînement. Avec un temps pareil, pourquoi vous n'allez pas dans le gymnase? Oui, c'est un problème. On n'a pas le droit d'entrer à cause de l'amiante. Il va probablement être détruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Aucune idée. Je l'ai trouvé hier. Ça doit être le badge d'une association, vous ne croyez pas? Où l'avez-vous trouvé? Dans le parking. Sur les lieux du crime? Je te dis de faire des passes plus à l'extérieur. T'es toujours trop en milieu de terrain. Pris sur le fait. Si ce qu'il y a, toutes mes félicitations pour la promotion. Non, je ne l'ai pas mérité, en tout cas pas pour le moment. Mais moi si. Je vous en prie, asseyez-vous avant que je ne change d'avis. L'homme que nous recherchons est Thomas Janssen, votre tuyère. Merci, mais je croyais qu'il devait venir aujourd'hui. Ah oui, il devait, mais il n'est pas venu pour de bonnes raisons. Les empreintes digitales sur le crime de la voiture retrouvée à côté du cadavre de Tserb sont bien celles de Janssen. J'ai lancé un mandat d'arrêt contre lui. Vous êtes content de vous? Ah oui, quelle question! Eh ben, allez-y, on est impatients de savoir. On a tiré sur Tserb avec 2 armes différentes, un revolver, un Smith & Wesson 609 et un Beretta probablement équipé d'un silencieux. Le coup tiré avec le Smith & Wesson n'a touché que l'épaule de Tserb. Le coup mortel tiré dans la tempe, lui, a été tiré par l'autre arme, celle utilisée par le coupable pour tirer dans les pneus, avant l'arrivée de Tserbe sur les lieux.
Ce qui veut dire que le meurtrier voulait être certain que Tserbe quitte le bureau un peu plus tard pour lui laisser le temps d'agir. Ça tient la route. Tant qu'on ne saura pas avec quelle arme Janssen a tiré, on n'en saura pas plus sur l'identité du véritable assassin. Bon, d'accord, mais quoi qu'il en soit, on a déjà avancé d'un petit pas. Les empreintes sur le creek. Janssen a obligatoirement vu quelque chose dans le parking. Du nouveau du côté Marita Foss ? La garde-robe masculine retrouvée dans son appartement est bien celle de Janssen. Parlez-moi un peu du contenu de ces lettres. Elles sont là. La plupart proviennent d'Amérique. Je les ai fait traduire par les collègues. Ils pensent que vous ne parlez pas anglais ? So what ? Chère Marita, fille de Gabriel, la formulation est bizarre. À première vue, il n'y a rien d'anormal. La plupart ont été écrites par une certaine Glenda Fallers, peut-être une de ses amies ou bien une sœur. J'aimerais que vous les fassiez revérifier, on ne sait jamais. Bon, le mandat de perquisition chez Tserbe est maintenu. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas lui raconter ? Rien. Alors pourquoi tu l'as fait venir ici ? Il risque d'avoir des soupçons sur nous. Si tu avais été à ma place, tu en aurais fait autant. Je m'en occupe, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, Madame Winkler. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il a ? Je n'en sais rien, il a peut-être prévu autre chose. Ou bien il est allergique à la police. Ce sont des choses qui arrivent. Une bière pression, s'il vous plaît. Vous buvez quelque chose ? Merci. Ouais. De quoi vous voulez me parler ? Janssen a eu peur. De quoi ? Il y a environ 3 semaines, il m'a raconté qu'il était entré par hasard en tapotant sur son ordinateur dans un réseau secret de données de communication et qu'il avait pu décoder des informations chiffrées. Savez-vous de quoi il était question ? Il n'est pas revenu sur le sujet. Merci. Il y a 2 jours encore, il m'a dit qu'il était persuadé que quelqu'un voulait le tuer. A-t-il dit qui ? Quelqu'un portant le pseudonyme de Dog. Vous pouvez répéter, je vous entends mal. Quelqu'un portant le pseudonyme de Dog. Dog ? Dog comme le chien. Et qui est ce Dog ? Janssen pense que Tserbe était le Dog. Compris ? Oui. Et alors ? Il a décidé de le tuer pour le devancer, c'est ce que vous pensez ? Je voulais juste vous dire ça. Un peu tard, vous ne trouvez pas ? Mieux vaut tard que jamais, non ? Ouais, ça va, je paye. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je vous trouve bien taciturne. Et pourquoi vous arrêtez-vous en pleine phrase ? Parce que je sais que pour jouer correctement, il vous faut le silence absolu. Bon, si on considère que le mobile se trouve dans l'ordinateur... En admettant que ce soit le mobile, et je n'en ai pas la certitude, je me contente des indications de Mme Winkler. Alors, ouvrez grand vos oreilles. D'après elle, Janssen se sent menacé par quelqu'un portant le pseudonyme de Dog. Bizarre, vous ne trouvez pas ? Et vous pensez que Janssen aurait tué Tserbe parce qu'il croyait que Tserbe était le Dog ? Ben, en effet, ça aurait pu être ça. Mais Tserbe n'était pas le Dog. Son pseudonyme à lui, c'était Hades. Quoi ? Mais Anne a trouvé sur le bureau de Tserbe un communiqué au nom de Hades dans lequel on lui demande des comptes sur sa conduite. Regardez-moi ça, je l'ai à peine poussé, la boule est allée toute seule se cacher dans son trou. Qu'est-ce qui m'a pris de venir jouer au billard ? Avez-vous trouvé quelque chose de désagréable lors de la perquisition ? Ça dépend. Vous n'arrêtez pas de jouer avec ce bouton pression, ou plutôt ce badge, et vous êtes persuadé que c'est Tserbe qui l'a perdu dans oui. le parking. Mais je n'ai pas dit ça, au contraire. Je pense que ça pourrait être un sérieux indice pour retrouver le coupable. Figurez-vous que moi aussi, j'en ai un. Quoi ? Tenez, nous l'avons trouvé dans le bureau de Tserbe.
Je suis en mesure de vous dire ce que signifie assez. Psst. Il ressemble à Anne. Mm-hmm. Anne, debout à cette heure-ci, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et alors, est-ce que je pourrais avoir une bière avant de passer à l'examen de billard? J'en aurais bien besoin. Bien sûr qu'il a le droit à une bière. Inga, une autre bière, s'il te plaît. Oui. Revenons à nos deux lettres AC. D'après les documents de Tserb, derrière se dissimule un certain Carter, Adrian Carter. AC, un homme ou un groupe qui dirige depuis le Minnesota un empire économique à l'échelle mondiale, comprenant des banques, des groupes de magasins, des grands médias et à votre santé. Quel guépier nous sommes tombés. Il va falloir faire pizza. Anne nous attend pour le petit déjeuner. Il vient d'appeler à l'instant. Janssen s'est rendu à la justice. J'arrive. J'arrive. Un croissant. Un café. Je paierai demain. Pas de problème, Peter. C'est l'arme du crime. C'est avec ça que vous avez tiré sur Tserb? Oui. Combien de coups? Un. Lorsque je l'ai vu s'effondrer inanimé, j'ai compris. Ensuite, j'ai entendu des pas derrière moi et je me suis enfui. C'est votre arme? Non. Rien à signaler. C'est le Smith et Wesson? Le coup dans l'épaule? Je pense que M. Janssen va pouvoir nous dire ce qui s'est passé dans le parking. Bonjour. Oui, bonjour. Voici l'ordre d'exécution que j'ai découvert il y a 3 jours dans l'ordinateur. Janssen est la taupe. Changement de stratégie. Ordre du doc d'éliminer Janssen. Et vous avez cru que Tserp était le doc? Oui. Et je voulais lui demander des explications. Tserbe avait un pneu crevé, il était accroupi devant sa voiture, alors je me suis avancé vers lui. Puis tout à coup, il avait ce revolver dans la main. Alors j'ai empoigné le cric pour lui faire lâcher son arme. Et nous nous sommes baissés tous les deux en même temps, et j'ai été plus rapide que lui. J'ai réussi à récupérer le revolver que j'ai pointé sur lui. Mais à mon avis, il ne pensait pas que j'allais lui tirer dessus. Il tenait le cric à la main et il se rapprochait de plus en plus. Alors j'ai tiré. Sinon, il m'aurait tué. Attendez, où se trouvait Tice à ce moment-là? Eh bien, je n'en sais rien. Il a déclaré ne pas vous avoir quitté de toute la soirée. Oui, il a sans doute dit ça pour me protéger. Je crois qu'il a compris depuis le début que c'était moi qui avais tiré sur Tserb. Tice était au courant de cette histoire de menace de mort? Non. Que savez-vous sur l'expéditeur? Ils se sont baptisés AC Anonymous Directeur. Ce sont des personnes qui, en coulisses, s'occupent de tout et qui ont leur mot à dire sur tout. Des fanatiques dangereux qui projettent un statut mondial sur le contrôle de toute l'économie. Un État mondial dans lequel chacun est manipulable et par voie de conséquences calculables. Qu'est-ce que ça vous inspire? Un véritable cauchemar, une vision d'horreur. Vous croyez que je délire, que je suis en train de tramer quelque chose? Ça fait un peu cinéma, voilà. Oui, et plus les gens croiront que c'est de la science-fiction, plus vite ils atteindront leur objectif. Où se trouve votre ordinateur? Là-bas. Venez, je vais vous montrer comment je suis entré. Tenez. Vous choisissez la partie web concernée et vous avez le texte verrouillé. Encore un de ces jeux pervers propres à l'informatique. Hélas, ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. À l'aide du mot de passe, dans ce cas Twister, nous allons avoir accès au code actuel.
On rentre le code. Et ensuite, nous pourrons lire tranquillement le texte verrouillé. Concerne la liquidation due à la sortie de Dog, Donahoe reprend Janssen, délai respecté. Oh, c'est incroyable, ça. Savez-vous qui est Donahoe? Non. Je le lis pour la première fois. Monsieur Janssen, est-il exact que vous fréquentiez Marita Voss? Oui. Et d'après vous, y a-t-il un indice susceptible de nous éclairer sur les raisons... Ça fait des jours que je n'arrête pas de me poser cette question. Et je n'y trouve aucune réponse. S'il vous plaît, venez, nous allons passer à côté. Vous le croyez? Oui. Mais alors pourquoi ne pas lui avoir dit qu'il s'était trompé de cible? Bien. Qu'est-ce que ça aurait changé? Vous l'avez lu vous-même, Dog n'est plus d'actualité. Maintenant, il faut découvrir qui est Donahoe. Vous avez pensé à nos collègues qui veillent sur la protection de la Constitution? Oui, j'y ai pensé. Qui sont ces gens-là? Une sorte de loge secrète, moitié secte, moitié mouvement politique, avec une hiérarchie très prononcée fonctionnant de façon pyramidale. Ils sont tout en bas ne connaissant pas le pourquoi du comment. Ils ne savent même pas qui en fait partie. Mon Dieu. Leur système de sécurité, c'est ça, ce qui nous complique la tâche au niveau de l'enquête. N'allez surtout pas croire que ça me console. Et comment peut-on élucider un meurtre dans ces conditions et éviter qu'il y en ait d'autres? Tous les pseudonymes ont leur couverture. Les personnes qui utilisent des pseudonymes aiment s'associer. En clair, ça implique qu'il y a des points de repère, des rapports entre les noms, les activités et les domiciles. Accès refusé. Ah, bon sang, impossible de rentrer. Mais ils ont peut-être changé de mot de passe. Ah oui, j'y pense. Anne s'est rappelé où il avait déjà vu le mot Twister. Où est-il? Il se balade quelque part dans la maison. Et où l'a-t-il lu? Dans l'appartement de Marita Voss. Il y avait plusieurs ouvrages écrits par le père. L'un d'eux avait pour titre Twister. Comment se fait-il que Janssen ait pu connaître le mot de passe? Peut-être qu'il en sait plus qu'il ne veut le dire. Tenez, voilà la lettre d'adieu de Marita Voss. Elle l'a envoyée par la poste à Janssen, mais elle n'y mentionne pas la raison de son suicide. Elle est authentique. En y regardant de plus près... Oh. Vous voyez le filigrane? Ah, si. Personne ne l'aurait remarqué s'il n'avait pas pris la peine de regarder. Avons-nous d'autres lettres? Celle d'Amérique? Oui. Tenez. Les originales. Oh, pardon. C'est fou, ça. Le même filigrane, assez. Oui, mais ça ne nous avance pas à grand-chose par rapport à Donna. Nous savons maintenant qui est Dog. Ou plutôt, qui était. Marita Voss faisait partie des directeurs à 100%. Le papier à lettres, les livres dans la bibliothèque. C'était elle, le Dog. C'est certainement la réponse à la raison de son suicide. Tout ça a l'air très, très intéressant, mais pourriez-vous pousser un peu plus avant dans le dédale de vos pensées tortueuses? Tout le monde s'est interrogé sur la signification de ce sigle bizarre, « chère Marita, fille de Gabriel ». En anglais, ça fait « Dog », traduit, ça donne « D » pour fille, « O » pour off et « G » pour Gabriel. En abrégé, « D-O-G ». Dog. Comme je le disais, tous les pseudonymes ont leur couverture. Et imaginez un peu la situation. Marita Voss reçoit l'ordre de faire disparaître l'homme qu'elle aimait parce qu'il est devenu trop dangereux pour l'organisation qui a décidé de l'éliminer. Elle a préféré se donner la mort plutôt que de le tuer. Mon Dieu, c'est un véritable mélodrame. Ça ne nous dit toujours pas qui est Donahoe.
Que se passe-t-il, Anne? Vous êtes encore de mauvaise humeur? Moi, de mauvaise humeur? Pourquoi? Allez, allez, je vous en prie, dites ce que vous avez sur le cœur. Allez, ils vont se jeter sur Janssen sans pitié, c'est ça? Non, non, pas du tout. Mais bien sûr qu'ils vont le faire. Mais Anne, je vous jure que je n'avais aucune arrière-pensée quand je l'ai relâché. J'avoue que maintenant, je regrette de l'avoir fait. Bien sûr que vous avez raison. Nous aurions dû le garder ici. Le garder ici? Et pour quelle raison? La situation ne justifiait pas un mandat d'arrêt. Coups et blessures en légitime défense. Zerbe ne serait jamais mort avec une balle dans l'épaule. On aurait pu le garder en détention préventive pendant quelques temps. C'est trop tard. Combien de personnes sont avec lui? Deux. Eh bien, prions le bon Dieu qu'il ne lui arrive rien. Qui est Donao? Si notre définition de Dog est la bonne, il doit y avoir un véritable lien entre Donao et l'homme qui est censé liquider Janssen. C'est évident. Bon, vous allez vérifier maintenant tous les affluents de la Donao, de Donaueschingen à la mer Noire. Tu n'aurais pas besoin de tes verres, par hasard. Il a disparu. Siska, ici Felder. Nous avons perdu Janssen. Il vient d'avoir un accident. Sa voiture est une ferraille. Oui, sûrement un attentat. Une plaque d'égout? Bon, restez où vous êtes, je vous envoie la police scientifique. Oh, mon Dieu, me voilà dans le poudre. Janssen a eu un accident. Non. Quelqu'un a lancé du haut d'un pont une plaque d'égout sur sa voiture. Apparemment, il a survécu. Et pris panique ou sous le choc, il s'est enfui. Je vais lancer immédiatement un nouvel avis de recherche sur lui. Ah oui, Claudia Zerb vient d'appeler à l'instant, elle ne devrait pas tarder. Que veut-elle? Elle a trouvé un pistolet dans son garage. Avec un silencieux? C'est une excellente chose. Espérons qu'elle ne l'a pas touché. Il faut à nouveau lancer un avis de recherche sur Thomas Janssen. Quelque chose de cassé? Ah, je ne pense pas. Heureusement que tu as eu l'idée de m'appeler. J'ai besoin de ton aide. Il y a quelqu'un qui cherche à me tuer. Il faudrait que tu me caches pour quelques jours. Chez moi, c'est impossible. Attends, j'ai une idée. Tu connais l'ancien gymnase du stade? Ouais. Dans le local où l'on stocke le matériel, il y a des tapis. Je t'apporterai quelques couvertures, de quoi manger et quelques livres. C'est loin d'être le Pérou, mais au moins tu y seras en sécurité. D'accord. C'est probablement ici, derrière le pont, que Janssen a quitté la route. Espérons-le. On devrait chercher dans ce secteur. Avec un peu de chance, il est caché quelque part. Espérons-le toujours. Espérons surtout qu'on retrouvera son meurtrier à temps. Il ne manquait plus que ça. Cette ordure a voulu me tendre un piège. Oui, mais je vous en prie, asseyez-vous. Non, ce n'est pas la peine. Tenez. C'est très professionnel.
La panoplie est complète maintenant. Allez, embarquez-moi ça au labo. Merci beaucoup. Bon, procédons par ordre. Où avez-vous trouvé ce pistolet? Dans mon garage, il y a une heure. Caché entre des pneus. Qu'a donné la perquisition? Rien, il n'y avait pas d'armes. Ce qui veut dire qu'on a déposé plus tard. Vous avez peut-être une idée sur l'identité de la personne? Oh oui, et comment? Vous m'avez interrogé en me demandant si j'avais vu quelqu'un sortir du parking. J'ai vu quelqu'un. Oui, à qui? Tice. Si je suis allée là-bas, c'était parce qu'il me l'avait demandé. Et évidemment, monsieur veut me faire porter le chapeau. Mais il ne va pas sortir comme ça. Même si je dois y laisser ma peau. Vous êtes prête à tout. Quoi? Tout ça m'est égal. Tyke, c'est votre amant? Est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité de parler au passé, s'il vous plaît? En admettant que Tyke soit le meurtrier de Tserbe, de là à en déduire que... Mais si. C'est évident. Tyke, c'est Donau. Tenez. Vous aviez raison. Oui, en tisane, on serbe pour Tice, affluent de la Donau, prend sa source dans les Carpates et se jette au sud-est de la Novi Sad dans la Donau. Bravo, Siska, en plein dans le mille. Ah, vous m'épaterez toujours. L'immatriculation de la voiture de Tice? Je ne l'ai pas, mais je m'en occupe tout de suite. Attendez, attendez. M.A.C. 79-14. Un cabriolet bleu foncé. Bien, passez l'information à toutes les polices. Envoyez une voiture à son domicile et à l'entreprise. Prévoyez une intervention renforcée sur toute la ville. Et n'oubliez pas de prévenir la police des frontières. Que les radios envoient un avis de recherche. Merci de votre aide. De rien. Tu m'impressionnes. Je pensais que tu allais me supplier. Pourquoi tu fais ça? Tu es devenu trop curieux. Tu n'as tenu aucun compte de nos avertissements. La thèse du suicide, ça marchera. Ta lettre d'adieu est déjà dans l'ordinateur. Hein? Quel effet ça fait? Espèce de salaud! Inutile de t'énerver, tu es encore vivant. Vu les conditions, tu vas tenir 3 minutes, maximum. Tu ne pourras pas tenir plus longtemps. Anne, où êtes-vous? Non, Tyce n'est pas chez lui, ni à l'agence, il n'y a que le gardien. J'en sais rien, j'attends d'avoir une idée de Jenny. Oui, bien sûr qu'il peut y avoir un autre endroit. À toutes les voitures d'intervention, le véhicule recherché MAC 7914 a été aperçu dans la Engelschalkingerstrasse en dehors de la ville. Terminé. Anne, vous avez entendu? Bon, allez tout de même sur la A12. Entendu, on reste en contact. J'étais dans ce coin-là hier. Récapitulons, le stade, le gymnase condamné. Anne! Est-ce que vous m'avez entendu? Combien vous faut-il de temps pour y arriver? Alors, on se retrouve là-bas. Ah oui, terminé. Alors, chers collègues, gardez votre calme et tenez-vous bien. Tu as remarqué comme la force t'abandonne au niveau des bras? Ta vie est entre mes mains. Avoue que c'est fantastique! Un peu de courage, voyons. J'ai vu comment tu avais tué Tserba. Tu étais dans le parking? Oui, avant toi. Je ne l'ai pas tué. La police a été en mesure de l'établir. La police, elle ne sait rien du tout. Pas même que tu seras mort dans 90 secondes. Tu crois que tu vas tenir? Je ne l'ai touché qu'à l'épaule. Oui, ça n'était pas suffisant. Tserbeux était devenu un risque pour nous. Et oui, à cause de son train de vie, de ses maîtresses. Il n'était pas fiable. Il fallait qu'il disparaisse. C'est toi qui l'as tué? Oui. C'est toi, Donau? Oui, mon ami. Ainsi va la vie.
Tu t'es beaucoup trop investi. Tu as mis nos objectifs en péril. L'amitié ne compte plus au regard de ces impératifs-là. Mais surtout, ne le prends pas personnellement. Et comment qu'il le prend personnellement? Les mains en l'air, Dice, on ne bouge plus! Les mains en l'air! Allez, Dice, c'est fini! Vite, vite! Dépêchez-vous! Allez, allez, plus vite! Un médecin, vite! Zanka, embarque-le. Allez, Janssen, c'est fini. Monsieur Dice, je vous arrête pour le meurtre de Raymond Zerbin. Et alors? Vous ne tirez pas un seul mot de moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les preuves sont là. Embarquez-le. Ce n'est malheureusement que la partie émergée de l'iceberg. Je préfère ne pas savoir combien de ces types se baladent encore librement. Dieu merci, ce n'est plus de notre ressort, mais des protecteurs de la Constitution. Avec Anne, il faut s'attendre à tout, il m'épatera toujours. Il est surprenant. J'ignorais que c'était un gymnaste en puissance. Anne Étonne-moi là-bas. Ah, j'espère que vous serez sélectionné pour les Jeux Olympiques de Sydney. Dis donc, rejoindre plutôt que je suis allé mal. Oh, non, non, j'ai pas très envie. Allez, allez. Bon, allez, d'accord. Je vous attends. Oh. 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 Ah voilà, et voilà le dernier. Allez. Attends. Attendez.